French is something like a un moteur spirituel dans votre vie pour que vous ne soyez plus les mêmes. Et vous allez marcher, vous ne serez pas fatigué. Chaque jour, vous serez dans la puissance de Dieu pour le projet qu'il a établi devant vous. Et ce que vous faites, vous le ferez avec but. Dans le but de glorifier le Seigneur, vous allez prêcher l'Évangile. Et pour vous personnellement, pour être l'Évangile. Il y a des gens qui prêchent l'Évangile. L'Évangile est très, très éloigné d'eux. Ils ne possèdent pas l'Évangile. Ils n'accomplissent pas l'Évangile. Mais pour un prédicateur de l'Évangile, pour qu'il soit l'Évangile lui-même, à tout moment, pas seulement lorsque nous sommes à l'église, pas seulement quand nous sommes sur le champ d'évangélisation, partout nous sommes, nous gardons l'Évangile. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous bénissons ton nom. Tu es bon et glorieux. Nous demandons qu'en ce moment, tu parles à chaque cœur au nom de Jésus. Il n'y aura pas de blocage, de mur de séparation entre toi et nous. Il y aura un flux entre ta puissance et nous au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse, pour vous asseoir. Nous venons donc au dernier message dans cette série quand nous considérons la croissance et la grâce pour l'impact. Et ce matin, nous parlons du message intitulé « Une plus grande croissance à travers la grâce et les dons de l'Esprit ». Nous parlons du salut. Nous parlons de la fermeté. Nous parlons de la spiritualité. Nous parlons du salut du Seigneur. Le salut qui vient par la grâce de Dieu. Nous parlons donc de la fermeté que donne ce salut que la grâce nous accorde. Nous parlons donc de cette spiritualité qui nous permet de croître, croître et croître dans la grâce et dans la fermeté. Acte 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce, pas seulement sur un seul apôtre, mais une grande grâce reposait sur eux tous. Oh, certaines personnes disent, oh, nous remercions Dieu pour la grande grâce sur notre pasteur. Oh, c'est notre pasteur senior. Oh, c'est notre responsable. Mais ils oublient que la grande grâce doit être sur nous tous. La grâce pour prêcher. La grâce pour prier. La grâce pour supporter les persécutions. La grâce pour aller partout pour le Seigneur. La grâce pour obéir au Seigneur. Reposez sur eux tous, repose sur nous tous la grande grâce. Amen. C'est Saint Jean cela qui dit, je ne suis pas satisfait d'être à ce niveau.
je veux aller aussi haut que je peux l'être, pour qu'il y ait une plus grande puissance, qu'il y ait une plus grande grâce sur nous tous. Chapitre 9 des Actes, verset 31. Chapitre 9, verset 31. On dit, l'Église était en paix. L'Église était en paix. Quand la Bible et le Nouveau Testament en particulier parlent de paix, ça ne parle pas de dormir. Ne parle pas de tranquillité. Il ne parle pas de tranquillité, c'est-à-dire absence de vent, absence de difficulté. Il y a un autre repos pour le peuple de Dieu. Nous reposons de nos luttes, nous reposons de nos bagarres. Nous reposons donc les luttes contre Satan, contre le péché, le repos. Il parle de la restauration. Il parle de la rédemption. Il parle de la paix que nous avons avec Dieu, de la paix que nous avons l'un avec l'autre sur la terre. L'Église était en paix. Il n'était pas agité ou en conflit. Le repos et la paix dans nos âmes. Le repos et la paix les uns entre les autres. Le repos et la paix entre telle branche et telle autre branche. Le repos et l'unité. Quand nous sommes totalement restaurés, quand la rédemption du Seigneur est dominante au milieu de nous, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. C'est édifiant. Quand nous sommes au repos, nous avons le repos du Seigneur en nous. Il y a l'édification. La main dont vous tenez m'édifie. La main dont vous regardez m'édifie. Votre posture et interaction avec les autres édifie les autres. Ce n'est pas que vous faites votre chose que nous soyons édifiés ou pas. Et marchant dans la crainte du Seigneur, Nouveau Testament. Et les gens pensent que dans l'Ancien Testament, crainte du Seigneur. Et ils pensent que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas la crainte du Seigneur. Voyez ce qui se nomme par la paix filiale, la paix de la famille. Quand vous créez le Seigneur, vous aimez le Seigneur, vous n'allez vouloir faire aucune chose qu'il n'apprécie pas. Vous êtes conscient de la présence du Seigneur à tout moment. Vous êtes conscient des préceptes du Seigneur à tout moment. Vous êtes conscient donc de l'objectif du Seigneur dans la science où vous êtes à tout moment. Et marchant dans la crainte du Seigneur. Et ça croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça croissait. L'Église croîtra lorsque nous croissons. Lorsque les ministres, les apôtres, les évêques, nous croissons, l'Église va croître. Lorsque nous croissons, l'Église va se multiplier. Ton Église va se multiplier. Ton ministère va se multiplier. La puissance du Seigneur et la bonté, la grâce du Seigneur vont se multiplier dans ta vie au nom de Jésus. Nous parlons d'une plus grande grâce. Une plus grande croissance à travers la grâce et les dons de l'Esprit. Il y a trois points à considérer.
premier point, la commission est le but de l'évangile du Sauveur. L'évangile du Sauveur. Le but de cet évangile. La commission avec cet évangile. Deuxième point, la consécration des participants de la grâce et de la sanctification. La grâce n'aurait pas fini son œuvre complète dans ta vie s'il n'y a pas la sanctification. La grâce n'aura pas été très loin dans ta vie, dans son œuvre, s'il n'y a pas la sanctification. La grâce veut faire plus. C'est pourquoi nous parlons de la croissance. Si c'est seulement le salut, le salut, le salut, tu n'avances pas. Il n'y a pas de croissance. Si nous parlons de pardon, 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 il n'y a pas de l'affranchissement. Tu n'as pas encore eu suffisamment de la grâce de Dieu. Si nous parlons seulement de la première œuvre de la grâce de Dieu, et nous ne sommes pas allés en profondeur, la grâce n'a pas encore fait son œuvre. Tu es profond, mais pas plus profond. Si tu es profond, mais tu n'es pas plus profond. Si tu es haut, tu n'es pas plus haut. Si tu es plus haut, mais tu n'atteins pas le sommet. Si la grâce de Dieu n'a pas atteint tous les coins et recoins de ta vie pour purifier, laver toutes choses, alors tu n'as pas encore suffisamment la grâce de Dieu. Nous irons plus loin ce matin. Certaines personnes pensent que la sanctification, c'est pour une dénomination. Non, ça vient de Dieu. Répondez-moi. Et c'est pour toi. Et vous voyez, j'ai considéré donc la thématique de la sanctification. Je l'ai prêché même au-delà de la vie profonde, en tant que dénomination. On m'invite partout. Je vais dans les différentes dénominations. J'ai été aux États-Unis dans une autre église, pas la notre dénomination, la vie profonde. Et j'ai prêché la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et j'ai mis l'accent sur la volonté de Dieu, votre sanctification. J'ai prêché donc ce message de la sanctification partout en Afrique, dans plusieurs églises, en Europe, aux États-Unis. Et j'ai insisté que si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Je l'ai prêché, je suis content. Je l'ai prêché quand je suis triste. Je suis prêché quand j'ai tout. Je l'ai prêché quand j'ai faim. La sanctification. La sanctification, ce n'est pas quand tout va bien ou quand je me sens bien que je la prêche. Non, je la prêche même quand je suis sous la pression. Je la prêche partout. La consécration des participants à la grâce de la sanctification. Troisième point, la compréhension et la possession des dons de l'esprit. Nous avons besoin des dons de l'esprit. Pour que ce que nous faisions, nous ne le fassions pas dans l'énergie de la chair. Pour que nous le fassions dans la puissance et avec la possession des dons de l'esprit. Voyez ces points l'un après l'autre.
premier point, la commission et le but de l'évangile du Sauveur. L'évangile du Sauveur. En Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Christ est notre Sauveur. Christ est le Souverain. Christ est le tout en tous. » Avant maintenant qu'il nous donne, et avant qu'il ne donne la grande commission, l'Église a annoncé que tout pouvoir lui appartient dans le ciel et sur la terre. Avant qu'il nous donne la commission, il dit, vous nous regarderez. Avant de donner la grande commission, il a dit, vous ne considérez aucune autre autorité, vous ne fléchirez devant aucune autorité, parce que tout pouvoir m'a été dans le ciel et sur la terre. Quand nous prenons l'évangile, quand nous répandons l'évangile, nous ne reconnaîtrons aucune autre puissance. Nous ne reconnaîtrons aucune autre autorité. Nous ne reconnaissons le visage renfrognement de personne. Tout pouvoir a été donné à Christ le Souverain dans le ciel et sur la terre. Et verset 19. Il dit, allez donc. Parce que vous soumettez à mon autorité, allez donc. Parce qu'aucune autorité, aucun pouvoir dans le ciel, sur la terre, dans la mer, sous la terre, ne peut vous résister. Allez donc. Vous ne regardez donc pas par-ci, par-là pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui me soutient, est-ce que quelqu'un m'accompagne. Non, vous regardez à l'autorité, à la puissance de Christ qui est avec vous et allez. Et faites de toutes les nations. Le programme est le même. L'enseignement est le même. Et toutes les nations sans exception, parce que quel que soit l'enseignement que vous donnez, la qualification pour tout le monde est pour aller au ciel. C'est pourquoi on ne change pas de prédication de nation en nation. Parce que c'est la même qualification. C'est la même. C'est la même qualification partout. C'est pourquoi de nation en nation, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc si vous voulez préparer chaque nation pour le royaume de Dieu, vous devez prêcher la nouvelle naissance. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Enseignez-leur. Vous leur enseignez le salut. Ils se sont repentis. Ils ont cru au Seigneur. Ils sont entrés dans le royaume. Après être entrés dans le royaume, enseignez-leur à observer. Ce n'est pas qu'ils enseignent-leur à apprendre. Ils doivent vivre par ce qu'ils apprennent. Enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à pratiquer. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Attendez. Enseignez-leur à observer. Si vous le faites, je suis avec vous. Si vous abandonnez ce qu'il a commandé,
Si vous enseignez, prêchez ce que son ennemi, le diable, met dans votre bouche. Le Seigneur ne va pas vous donner les outils et les moyens pour prêcher contre lui, pour s'opposer à lui. Il ne va pas vous donner les moyens pour prêcher pour Satan. La promesse d'être avec vous pour tous les jours. Cette promesse repose sur le fait que vous enseignez, prêchez ce qui vous enseignez partout où vous allez. Parce que maintenant, vous voulez la présence du Seigneur avec vous partout où vous allez. La puissance du Seigneur avec vous tout le temps. Et vous voulez que l'onction du Seigneur soit avec vous partout où vous allez. Vous voulez enseigner à observer tout ce que vous avez prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Et tout le monde crie. Acte 26. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour cet objectif. Souviens-toi de cela. Pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé? Pour quel objectif m'a-t-il suscité? Je pense à cela à tout moment. Je vais dans un nouveau pays. Et ils sont contents, ils me donnent des fleurs. Et ils veulent que je leur prêche. Mais pour quel but je suis là? Dans tout pays et dans tous les pays d'ailleurs. Est-ce que c'est pour que les pécheurs soient contents dans leur péché? Est-ce que c'est pour que les rétrogrades m'aiment? Si je cherche l'amour des rétrogrades, je suis hors du ministère. Tu es là pour un but. Je suis là pour un but. Pour que les pécheurs quittent leur péché. Nous sommes là pour pincer le rétrograde, pour le toucher jusqu'à ce qu'il se jette sur ses pieds par conviction pour revenir au Seigneur. C'est pour ça que nous sommes dans le ministère. Quand je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vous voyez deux aspects de l'objectif de Dieu. Les choses que tu as vues. Les choses que tu connais déjà. Mais ce n'est pas suffisant. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Certains disent, oui, je viens à la conférence des ministres. Et ils veulent qu'on mette l'accent sur ce qu'ils connaissent déjà. Et tout ce qu'ils ne connaissaient pas, n'ont pas dit, non, je suis déjà trop vieux dans le ministère pour ajouter quelque chose. L'objectif pour lequel tu es ici, c'est pour te rappeler ce que tu as déjà vu. Et non seulement te rappeler, mais te révéler les choses pour lesquelles il t'apparaîtra. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. C'est pourquoi nous prêchons. C'est pourquoi nous enseignons. C'est pourquoi nous révélons la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Pour ouvrir leurs yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière.
Si notre prédication ne passe pas les gens de leur passé à la lumière du Seigneur, nous n'accomplissons pas notre ministère. Si nous ne tournons pas des gens des ténèbres à la lumière, ça veut dire que nous ne faisons pas ce pourquoi nous sommes là. Si nous ne détournons pas les gens de leur état de vacillation pour qu'ils soient fermes dans le Seigneur, nous ne faisons pas ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés. Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Et l'héritage avec les sanctifiés par la foi qui est en Christ. La commission est le but de l'évangile du Sauveur. Il y a trois éléments ici. Premier élément, une grande grâce et la fidélité pour la grande commission. Deuxième élément, l'évangile glorieux en plénitude par un grand engagement. Troisième élément, une grande marche avec une grande foi pour de plus grandes conversions. Premier élément, alors, une grande grâce et fidélité pour la grande commission. La grâce de Dieu nous sauve. Et cette grâce même nous rend fidèles. Mais parce que sans la grâce, on ne peut pas être sauvé. Sans la grâce, on ne peut pas manifester cette foi. Et sans la grâce, on ne pouvait pas être fidèle. Il y a la foi pour le salut. Il y a la foi pour la fermeté. Il y a la foi pour la spiritualité. Il y a la foi pour tenir ferme. Il y a la foi pour servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme et toute sa force. Il y a la foi pour ne pas vaciller, pour ne pas tituber. Je veux œuvrer pour le Seigneur. Et il vous envoie tellement de grâce pour que vous puissiez demeurer ferme dans le salut. En 1 Corinthiens 15, 10. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Paul, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ce que je suis. Certains disent, ah, je suis ce que je suis. Hein? Ah, moi, je ne coûte personne, je suis ce que je suis. Je ne fléchis devant personne, je suis ce que je suis. Ah, je suis toujours l'ancien Saul, je suis ce que je suis. Il est profond dans le péché. Je suis ce que je suis. Laisse-moi tranquille. Hein. Ne me parlez pas. N'essayez pas de m'échanger. Je me connais. Je suis ce que je suis. Nous n'avons pas besoin de la grâce de Dieu pour être ce que nous étions par le passé. Nous n'avons pas besoin de la grâce pour être désobéissant. Nous n'avons pas besoin de la grâce pour être rebelle. Nous n'avons pas besoin de la grâce pour manifester les œuvres de la chair. Si tu étais un adultère, tu n'as pas besoin de la grâce pour demeurer adultère, tu l'es. Si tu étais un fornicateur, tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu pour le demeurer. Non, nous n'avons pas besoin de la grâce de Dieu pour être pécheur, mais nous avons la grâce de Dieu pour être nouvelle créature. Si tu étais un persécuteur, tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu pour l'être. On n'a pas besoin de la grâce de Dieu pour être un persécuteur. Mais la grâce de Dieu vient pour que tu dises, ah, n'eût été la grâce de Dieu, je serai toujours un persécuteur.
J'étais un homme violent, en train de violenter les gens, tourmentant les gens, faisant du mal aux gens. C'est ce qu'il a été. On n'a pas besoin de la grâce de Dieu donc pour être un persécuteur, un autre violent, pour nuire aux gens. On ne peut pas dire la grâce de Dieu est venue, je suis toujours en train de nuire les gens. Non, on a besoin de la grâce de Dieu pour être une nouvelle créature en Christ. La grâce de Dieu fait de nous une nouvelle créature en Christ. C'est la grâce de Dieu qui transforme nos vies. C'est la grâce de Dieu qui nous fait que nous sommes bons, gentils, doux. Alors qu'avant, nous étions en train de nous nuire les gens. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Un prédicateur de la justice. Quelqu'un qui va et qui prêche l'évangile, les gens, l'évangile de la grâce, l'évangile de la bonté de Dieu. C'est lorsque ce changement vient dans votre vie. Quand la vérité a transformé votre vie, quand l'ancienne nature est ôtée, quand l'ancienne rébellion est ôtée, quand l'ancienne vie pécheresse est ôtée, et vous êtes maintenant sauvé, vous êtes saint, vous êtes pur, et même vos pensées, vos buts, et vos pensées, tout est pur. C'est en ce moment, vous pouvez dire que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. La grâce envers moi n'a pas été vaine. Lorsque vous avez la chance d'écouter la parole de Dieu pure et saine, c'est la grâce de Dieu. Il y en a qui n'entendent pas. Si vous avez l'opportunité d'écouter, est-ce que vous pouvez dire que cette grâce n'est pas vaine? Regardez ce que nous avons entendu depuis que nous avons commencé vendredi matin, hier, et comment nous écoutons aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Ceux qui n'ont pas cette grâce ne sont pas ici. Et si toi, tu as eu la chance d'être ici, tu as écouté, est-ce que cette grâce n'est pas vaine? Quel changement cette grâce a-t-elle apporté? Ce privilège que tu as eu, qu'est-ce que ça a apporté comme changement? Et il dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non, pas moi toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ça, c'est la grâce qui nous amène à poursuivre la grande commission. Deuxième élément maintenant. L'évangile glorieux en plénitude par un grand engagement. Quel évangile ai-je reçu? Est-ce que dans sa plénitude, est-ce que c'est après le salut? Est-ce que cela a la sanctification? Est-ce que cet évangile a la fermeté? Est-ce que cet évangile a tout ce que le calvaire a pourvu? Quelle grâce possèdes-tu? Et quelle commission, quel évangile as-tu reçu? Est-ce que c'est dans sa plénitude? Est-ce qu'il remplit ton cœur? Est-ce qu'il remplit ta pensée? Est-ce qu'il remplit ton cerveau? Est-ce qu'il t'aide à marcher selon cet évangile?
L'évangile que tu possèdes, l'évangile que tu prêches, est-ce qu'il est glorieux? Est-ce qu'il rend ta vie glorieux? Est-ce que ceux qui sont autour de toi, proches de toi, disent, regarde ce temps, regarde cette femme, sa vie est glorieuse. Est-ce que les gens veulent vraiment venir vérifier chez toi? Cet homme, cette femme qui ne se fâche jamais là. Cette personne qui ne nuit jamais à personne. Cette personne qui est toujours joyeuse à cause de la joie du ciel. Comment est-ce que sa vie est si glorieuse? Rappelez-vous, le Seigneur veut susciter une église glorieuse qui ira au ciel. Et si toi tu prêches cet évangile glorieux, tu dois posséder l'évangile glorieux. Ta vie doit refléter l'évangile glorieux dans sa plénitude, dans sa plénitude. Quand vous remplissez une bouteille d'eau remplie et vous la mettez sur la table à manger et tu sors et tu reviens et cette bouteille est toujours remplie d'eau. Et quand vous prenez quelqu'un, vous mettez en lui l'évangile glorieux et vous le placez sur la table pour que le monde le voit. Vous sortez, vous revenez. Le croyant comme la bouteille est toujours remplie de l'évangile glorieux. Il ne change pas avec le temps. Il ne change pas avec le climat. Il ne change pas avec les situations différentes. L'évangile glorieux dans sa plénitude, par un grand engagement. À Romains 15, verset 29. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Il nous a parlé hier. Je parlais de ce prédicateur. Il était plein de l'évangile glorieux. Il y a la gloire de Dieu dans sa vie. Et ce matin, il vient. Et il s'est battu toute la nuit avec sa femme. Et il menace la femme. Si tu ne te fais pas, tu es tué, prédicateur. Et il vient maintenant ce matin. Le tueur ne peut pas prêcher l'évangile glorieux. Nous devons demeurer dans le fruit de l'esprit. Sa vie a été transformée. La vie menée pour la gloire de Dieu. Mais prédicateur, les prédicateurs qui boivent l'alcool, les prédicateurs qui fument le tabac, et donc le prédicateur qui fume et fait ce qu'il veut. Donc, quand nous prêchons, écoutez, parce il y a des gens qui suivent leurs domestiques à la maison, qui viennent prêcher. Laissez-moi prêcher, je vais prêcher. Il n'y a pas de valeur dans cette prédication. Il y a des gens qui volent de l'argent. Il y a des gens qui adorent les idoles en secret. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile qui transforme les vies si vous ne menez pas une vie juste et droite. L'apôtre Paul dit, je suis certain, parce qu'il n'y a pas de péché secret. Je suis convaincu.
parce que je possède et je garde l'évangile glorieux. Je sais qu'en venant, qu'en allant chez vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai, que le Seigneur le fasse dans chaque vie. Troisième élément maintenant, dans le premier point. Une grande marche avec une grande foi pour de grandes conversions. Nous allons de l'avant parce que nous voulons que les âmes soient converties. Parce que c'est ce que Jésus veut. Il veut que la vie soit transformée. Il veut que la vie soit changée. Il veut la conversion dans les vies, dans les cœurs, dans la direction que nous suivons. Certains prêchent seulement. Ils prêchent pour faire rire les gens et heureux, contents. Et certains se disent, le vendredi, je disais donc le vendredi que lorsque nous prêchons la parole de Dieu qui a touché, pincé le cœur des gens et que les gens sont prêts, veulent se repentir. Maintenant, quelqu'un voit, il n'aime pas l'atmosphère là et commence à chanter pour faire oublier cela aux gens. Ça, ce n'est pas l'évangile. Les gens ont entendu que s'ils continuent comme ça, ils finiront en enfer. Ils ont le cœur touché et certains pleurent déjà. Et tombe déjà sur leur visage, ils veulent se repentir. Et quelqu'un vient, mais tout le monde, réjouissez-vous. Non, monsieur, nous ne pouvons pas être joyeux lorsque nous nous retrouvons dans le péché. Nous allons nous réjouir, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Si Ninive avait fait comme ça, il serait péri. Jonas a fait une marche d'une journée. 40 jours, Ninive sera détruite. Si un Philippien, soi-disant Philippien, venait, et s'il venait pour dire, la parole de Dieu dit, Ninive, vite, réjouissez-vous toujours, la parole de Dieu réjouissez-vous. Ils allaient donc abandonner leurs cendres, ils allaient retourner dans leur ivrognerie, ils allaient retourner dans leur péché. Il n'y aurait pas de conversion parce que quelqu'un a dit de se réjouir. Rappelez-vous le message que Dieu nous a donné hier. N'abandonnez pas l'esprit. Ne blasphémez pas l'esprit. Ne contredisez pas l'esprit. Si l'Esprit nous conduit vers la repentance, et toi maintenant tu viens diriger la prière pour nous diriger vers autre chose, il ne faut pas contredire l'Esprit. Quand nous parlons de la marche en avant, nous parlons donc d'avancer dans la puissance de la prédication. Ça c'est la marche. Ils s'en allèrent. Ils avaient donné la parole de repentance. Ils les avaient donné la parole de réconciliation avec Dieu.
Ils avaient donné la parole pour qu'ils se détournent des ténèbres pour venir à la lumière. Il dit, allez enseigner, allez leur dire, allez répandre la bonne nouvelle. Parce que Christ peut vous transformer. Et ils s'en allaient avec cet évangile qui transforme les vies. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Attendez. Le péché du pécheur va le conduire jusqu'à la fin. Si vous encouragez les pécheurs qui ont crucifié, dont les péchés ont crucifié Christ, il ne va pas travailler avec vous. La raison pour laquelle Dieu travaille avec nous, c'est parce que nous sommes du côté du Seigneur. Et nous disons, péché de toute forme et de toute face est contre Dieu. Alors l'évangile demande de se retourner, de se repentir, de changer et de se retourner du péché. Et vous pleurez. Parce que vos péchés ont crucifié Christ sur la croix. Alors le Seigneur dira, je vais marcher avec ce prédicateur. Parce qu'il dit ce que Dieu veut qu'il dise. Parce qu'il va dans la direction que Dieu veut pour lui. Parce qu'il détourne les gens des ténèbres et les amène à la lumière de l'évangile. C'est comme ça qu'il marche avec Dieu. Et si le prédicateur ivrogne qui encourage l'ivrognerie, et si le prédicateur me vient dire à ceux qui l'écoutent, vraiment, on ne peut pas vivre sans péché. Hein? Moi-même qui suis prédicateur, là, je vis dans le péché. Seulement, à chaque fois, il faut demander pardon, pardon à Dieu. Dieu ne va pas travailler avec eux. Mais ceux-là qui vont avec l'évangile de transformation, qui invitent les gens à la repentance, pour qu'ils puissent s'appuyer sur Christ le Sauveur, le Seigneur travaille avec eux. Et confirme la parole. Et confirme la parole. Disons par exemple, je vous ai dit quelque chose. Et vous sortez. Et je suis là avec vous. Et vous dites exactement l'opposé de ce que je vous ai dit. Et vous me regardez. Papa, confirme la parole, non? J'ai dit non. Tu m'as honni en public. Tu veux maintenant que je confirme l'opposé de ce que j'étais enseigné? Mais qui penses-tu que je suis? Tu seras content de confirmer les mensonges que tu dis après que moi je t'ai dit la vérité? Mais moi-même, un être humain, je ne ferai pas une chose pareille. Et Dieu ne va pas soutenir les mensonges que tu dis contre le calvaire. Les mensonges que tu prêches contre Christ. Les mensonges que tu prêches contre la vérité de Christ. Il confirme la parole quand c'est sa parole. Il confirme sa parole. Dis-le tel qu'il l'a dit. N'ajoute rien. Ne diminue rien. Confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et tout le monde dit. Deuxième point maintenant.
La consécration des participants à la grâce de la sanctification. Et nous donne la sanctification. Le même Dieu du salut est le même de la sanctification. Le même Dieu de la guérison est le même Dieu de la sainteté. Le même Dieu du pardon est le même Dieu de la pureté. Il nous appelle à la sanctification. Il nous donne la grâce pour la sanctification. Il nous rend participants à la sanctification. Et nous confions à cela. Nous nous consacrons à cela. Nous nous abandonnons à cela. Tout à Jésus, j'abandonne. Tout à Jésus, j'abandonne. Mon cœur, ma vie, mes voies, mon but, mes décisions, mes aspirations. Tout à Jésus, j'abandonne. Tout à lui, j'abandonne gratuitement. Je vais l'aimer, lui faire confiance. C'est dans ses plans, dans ses buts que je vivrai pour toujours. Ça, c'est la consécration qu'il nous demande de faire. Simon, même plus que ceci, ça c'est la consécration qu'il veut voir. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? L'amour qui peut être démontré, l'amour qui est un exemple pour les autres. Simon, lorsque tu dis je vais à la pêche et les autres suivent, là, ça c'est la consécration. Avant que nous participions à l'expérience de la sanctification, il faut la consécration. Quand nous espérons donc cette sanctification, la consécration. Après avoir participé donc à la sanctification, il faut la consécration. Il y a trois éléments ici. Premièrement, il y a le commandement du Dieu pour la sanctification. Deuxièmement, la consécration pour la grâce de la sanctification. Troisième élément, la confirmation de notre piété et sanctification. Voilà le premier élément dans le deuxième point. Le commandement de Dieu pour la sanctification. En Lévitique 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 8. Vous observerez mes lois et vous les mettez en pratique, car je suis l'Éternel. Lévitique 27 dit, vous vous sanctifierez. Séparez-vous de toute espèce de mal. Préparez votre cœur pour la sanctification céleste. Car je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Je pense que nous devons comprendre cela. Recherchez la paix avec tous. Comme Jésus. Mais vous devez vous rappeler. Jésus n'a pas recherché la paix avec les pharisiens. Il les a regardés.
Il a dit malheur à vous, scribes et pharisiens, parce qu'ils étaient hypocrites. Et il ne pouvait pas rechercher la paix avec quelqu'un, avec les pharisiens qui n'étaient pas prêts à rechercher le salut par la grâce, mais qui voulaient que vous cherchiez par les traditions. Recherchez la paix avec tous. Pas avec Judas Iscariote. Judas, tu as un plan, tu as un but. Et il fallait même qu'un homme pareil ne naisse pas. On cherche la paix, pas avec des gens comme Judas qui veulent détruire l'évangile et détruire tout. Mais on recherche la paix avec ceux-là qui sont disposés, qui sont prêts. Le pote a dit, il fait, j'ai affronté toutes ces bêtes. Il dit qu'il voulait détruire, il voulait anéantir tout ce que nous prêchons. Mais sinon, on ne leur a donné aucune chance. Donc, il ne faut pas mal comprendre, rechercher la paix avec tous. Et il crucifie Jésus à nous, vous voulez rechercher la paix avec eux. Il veut l'empêcher les pécheurs d'être sauvés, il voulait rechercher la paix avec tous. Il ne parle pas de la compromission. Il ne parle pas de ceux-là qui ne peuvent pas affronter les péchés, le péché des pécheurs. Quelqu'un posait la question le samedi. Si je veux servir le Seigneur, et je vais aller à l'église, et je dois écouter la parole de Dieu. Je suis né de nouveau, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et mon mari, parce qu'elle s'est convertie, elle s'est mariée avant de se convertir. Et mon mari dit, tu n'iras nulle part. Tu n'iras pas à une église évangélique. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut me soumettre à lui? Et renoncer, renier Christ? Est-ce qu'il faut me soumettre à lui? Et ne pas suivre la voie du Seigneur? Et une réponse lui a été donnée. Elle doit être bon. Mais non, oui, c'est bon d'être, c'est vrai, il faut être bon, mais répondez à ma question. Est-ce qu'il faut cesser d'aller à l'église à cause de mon homme, mon mari incroyant? Mais la réponse est, il faut aimer Christ au-dessus de ton mari. Aime Christ au-dessus de ce rétrograde. Tu ne vas pas t'asseoir à la maison. Mon mari a dit de ne pas aller à l'église. Tu vas céder la persécution s'il reste là-bas. Prépare-lui à manger. Lave ses habits. Prends soin des enfants. Mais va à l'église. Lis ta Bible. Et il ne faut pas écouter quelqu'un qui dit « Recherche la paix avec cet homme. » Pour que vous deux, vous alliez en enfer. Je ne serai jamais en paix avec quelqu'un qui va m'envoyer en enfer. Mais je vais au ciel. Quelqu'un là-bas, je vais au ciel. Et tu vas avec moi. Nous sommes en paix. Je viens au Cameroun il y a un moment et je vais continuer à venir. Pourquoi? Pourquoi? Et
Parce que j'ai des gens qui disent, pasteur, ce que vous prêchez, nous acceptons. Tout ce que vous dites, c'est ce que nous acceptons. Et ça ne me gênerait pas demain le mois prochain. Parce que nous sommes ensemble. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification. La sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu seras saint. C'est pourquoi je vous aime. Si le gars n'est pas d'accord, je serai ici avec vous. Deuxièmement, la consécration pour la grâce de la sanctification. La consécration. Pour que nous abandonnions complètement dans les mains du Seigneur. Et nous disons, nous ne voulons jamais l'abandonner. Je ne vais jamais l'abandonner. Je l'aime. Et je vais l'aimer au-dessus de toutes choses sur la terre. En Matthieu 10, 37. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne du Sauveur. Il n'est pas digne de son salut. Il n'est pas digne du sanctificateur. Il n'est pas digne de sa sanctification. La consécration veut dire que tu regardes autour de toi, tout ce qui est autour de toi, et tu aimes Christ plus que tout ce qui est là. Ma femme peut ne pas aimer cela, mais nous devons aimer Christ plus que nos épouses. Nos maris peuvent ne pas aimer cela, et peuvent ne pas m'aimer, pasteur, prédicateur. Pourquoi est-ce que tu dis à mon épouse d'aimer Christ plus que moi, son mari? Parce que tu ne peux pas la sauver. Tu ne peux pas l'amener au ciel. Et le ciel est plus grand que la terre. Et elle doit aimer Christ. Qui peut l'amener au ciel? Au-dessus de quelqu'un qui ne peut pas l'amener au ciel. L'argent que tu lui donnes ne peut pas l'amener au ciel. La nourriture que tu lui donnes chaque jour ne peut pas l'amener au ciel. Les belles tenues que tu lui achètes ne peuvent pas l'amener au ciel. C'est un seul nom qui peut la faire passer du ciel à la terre au ciel. Quel est ce nom? C'est pourquoi ton mari, ta femme doit aimer Christ plus que toi. Nous devons aimer Christ au-dessus de toute et toute personne. Nous devons démontrer cela. C'est pourquoi tu dois aller dans la direction de la grâce de Dieu. Et quiconque renferme, renfrogne la mine. C'est un test pour voir si tu aimes le Seigneur plus que cette personne. Si tu courbes, si tu compromets, si tu t'effondres, tu montres simplement que tu aimes cette personne plus que Dieu. Il n'y a pas de consécration. La consécration, c'est que tu aimes Christ, tu aimes Dieu plus que toute autre chose sur la terre. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
voyez, la culture dans les pays francophones. Vous voyez, nos enfants reconnaissent et savent que quand il y a la nourriture, il y a les fruits, il faut du vin au milieu. Maintenant, tu dis que je suis né de nouveau. Alcool, boisson forte, les liqueurs, il n'y a plus ça sur la table. Et les enfants disent, maman, nous oublions quelque chose, hein. Où est la liqueur? À leur jeune âge, hein? Où est la bière? À leur jeune âge. Tu dis, enfant, papa est né de nouveau. Maman est née de nouveau. Pas d'alcool. Il n'y a plus d'alcool. Papa, c'est quel type d'église ça? Ce n'est pas l'église, c'est Christ. Et le garçon se lève de la table. Je ne veux pas manger. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu veux plaire à ce garçon? Est-ce que tu veux plaire à cette fille? C'est là notre consécration. Peu importe la personne, peu importe ce qui se passe, nous aimons Christ plus que toute personne. C'est comme ça qu'il faut tenir ferme. Peut-être ton fils ou ta fille veut aller en soirée de nuit, boire de nuit, pour aller gaspiller sa vie là-bas. Avant, tu disais, maintenant tu peux aller, mais reviens avant minuit. Et la fille sort. Et elle ne revient pas avant 5 heures du matin. Elle sonne à la porte. Et tu crains tellement ta fille que c'est toi qui te lèves de ton sommeil difficilement même pour aller ouvrir le portail. Je t'ai dit de rentrer avant minuit, non? Je m'excuse. Ah, la danse était très bonne. D'accord. Maintenant, tu es né de nouveau. Et la fille dit, papa, je vais aller en boîte de nuit. Plus ça ici. Tu n'iras plus dans là-bas. Je suis né de nouveau et tu dois naître de nouveau. Et l'enfant se fâche, il cogne ceci, il frappe ceci, par-ci, par-là. Tu dis, mais je tiens ferme. Ça, c'est notre consécration. Nous aimons la justice plus que l'injustice. Que ce soit fille ou garçon, quel que soit son consentement, il doit suivre ce chemin. Et frères et sœurs, c'est ça la consécration. La personne qui fléchit devant tout. La personne qui cède devant tout le monde. Et ne tient pas ferme. Il n'a pas de conviction. Il n'a pas de consécration. Et ne possède pas la sanctification. Troisième point maintenant. Troisième élément. C'est la confirmation de notre piété, de notre sanctification. En 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Selon que sa grâce divine. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par la connaissance de celui qui nous a appelé à la gloire et à la vertu. Verset 4.
et par lesquels nous assure de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Il nous donne la vertu et la piété. Il nous donne l'expérience de la sanctification. Et nous avons la nature divine. La nature divine n'est pas seulement bonne à l'extérieur, mais bonne intérieurement. La nature divine est constante. Et avec cette nature divine, nous avons la sainteté interne et externe. Troisième point maintenant. Troisième point, la compréhension et la possession des dons de l'Esprit. Il nous donne les dons de l'Esprit. Il y a la grâce par l'Esprit. Il y a les dons de l'Esprit. Et c'est avec ça que nous faisons l'œuvre de Dieu. Il y a trois éléments dans ce troisième point. Premièrement, prier passionnément pour le don de l'Esprit. Poursuivre avec persévérance les dons de l'Esprit. Troisièmement, prêcher avec persuasion aux païens par l'Esprit. Le don de l'Esprit, premièrement. Les dons au pluriel, deuxièmement. Et troisièmement, nous prêchons aux païens par le don de l'Esprit. Premier point, élément. Prier passionnément par le don de l'Esprit au singulier. Actes chapitre 2, verset 38. Alors Pierre leur dit, et Pierre leur dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, afin de recevoir le pardon de vos péchés. Les dons de l'Esprit. Au singulier, ça veut dire que soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez enveloppés du Saint-Esprit. Soyez immergés dans le Saint-Esprit. Après être sauvés, il y a quelque chose de plus. Après être sanctifié, il y a quelque chose de plus. Regardez l'arbre. Regardez les branches. Regardez les fruits de l'arbre. Le salut coupe les branches de l'arbre. La sanctification ôte les racines de l'arbre et rend le cœur intérieur saint. L'Esprit doit venir vivre dans le cœur. Et c'est le Saint-Esprit. Il ne vit pas dans le cœur qui n'est pas saint. Qui n'est pas juste, impur. Alors vous voulez le don de l'Esprit, la personne de l'Esprit, la troisième personnalité de la Trinité. Vous voulez que le Saint-Esprit vive au-dedans de vous. Vous êtes sauvés. Vous avez purifié l'intérieur du cœur. Vous avez réglé tout ce qui est souillé à l'extérieur.
Et comme cet homme de dignité doit venir, il doit venir dedans. Donc vous devez purifier, balayer tout ce qui est dedans. Le salut, si le cœur est purifié. Le salut rend l'extérieur propre pur, mais la sanctification rend l'intérieur pur. Maintenant, comme l'intérieur est purifié par la sanctification, vous invitez le Saint-Esprit. Vous n'allez pas vouloir que le Saint-Esprit vienne vivre dans un cœur rempli de saleté, de pureté. C'est pourquoi il vous rend saint. En vous préparant donc pour que le Saint-Esprit vienne en vous. Et vous priez avec passion pour le baptême du Saint-Esprit. Deuxième élément. Deuxièmement, poursuivre avec persévérance les dons de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Le salut est profitable pour moi. La sanctification est profitable pour moi qui veux aller au ciel. Les dons de l'Esprit font en sorte que vous êtes utile sur le terrain, utile à ceux qui vous écoutent et vous êtes productif. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Pour un prédicateur, pour un prophète, pour que quelqu'un qui soit utile à l'auditoire. Verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, la diversité des langues. Si c'est un seul type, celle que vous avez parlé il y a de cela 35 ans, et vous continuez à répéter, à répéter, à répéter, ça, ce n'est pas le don de l'Esprit. On parle ici de la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Et là, ça ne peut pas avoir d'interprétation. C'est comme ce que l'enfant essaie de murmurer, le bébé.
Et si le bébé est en train de murmurer quelque chose de façon inintelligente, maintenant à 10 ans, 35 ans, tu continues à répéter la même chose, ça ne peut pas avoir d'interprétation. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement de l'esprit, le don de foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles et la prophétie. Et les divers types de langues et l'interprétation. Et si ce que tu dis est interprété, convertit des âmes, transforme des vies, et toi-même, tu parles différents types de langues, parce qu'il y a différents types, niveaux d'amour, de charité, de puissance, de pénétration, de productivité. Et que cela soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Troisième élément maintenant. Prêcher avec persuasion aux païens par l'esprit. Quelqu'un prêche. Mais personne n'est persuadé. Et il passe un bon moment. Et ça n'a laissé aucune trace dans nos vies. Et il n'y a rien qui montre qu'il est même logique pour qu'on le comprenne. Il trimballe la Bible. Il ouvre la Bible. Il lit quelque chose dedans. Et il n'arrive même pas à interpréter ce qu'il a lu pour nous montrer que c'est ce que Dieu dit. Qui lui a donné un thème. Vous lui donnez un thème, il prend ça. Il annonce le thème. Et il commence à parler. Personne n'est persuadé. Et même le prédicateur ne comprend pas le thème qu'on lui a donné. Personne ne viendra à la conviction. Mais lorsque l'Esprit de Dieu t'a appelé, et il t'a commissionné, et tu es consacré à cette commission, et tu étudies, et tu cherches, tu pries, et tu as la conviction toi-même, et tu t'adonnes à ça, et tu proclames avec persuasion les païens par l'Esprit de Dieu, ça c'est le ministère. Et à partir d'aujourd'hui, ce ministère sera à toi. Tu vas prêcher avec persuasion. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, connaissant le jugement du Seigneur, connaissant ce qui arrivera dans l'avenir à ceux qui ne se repentent pas, nous cherchons à convaincre les hommes. Au village, nous voulons persuader les hommes. Nous les amenons à revenir au Seigneur. Nous venons en ville. Nous cherchons à convaincre les hommes à revenir au Seigneur. Nous prêchons aux ouvriers dans la vigne. Nous les convaincons. La main dont vous faites l'œuvre ne peut pas convaincre quelqu'un. Nous cherchons à les convaincre. Tel que vous vivez même là de façon négligente, Dieu ne peut pas vous utiliser pour amener les pécheurs au salut. Nous cherchons à convaincre les hommes. Les hommes ministres, lorsque nous avons la chance de leur parler, tu es ministre. Quelle vie a été transformée par ton ministère? T'es converti, où sont-ils? Regarde celui-là, ton converti. Il continue à boire. Il continue à se bagarrer. Il continue à voler. Et tu dis que toi-même, tu es sauvé.
quelle persuasion as-tu toi-même sur ces gens sous ton ministère? Tu es comme toi, ils sont comme toi. Vous sortez ensemble, ils vont en boîte, tu vas en boîte, ils boivent, tu bois. Prédicateur, les mains, même chose. Tu dis, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Est-ce que tu convaincs quelqu'un? Tu prêches, le Seigneur vient, sans la sanctification, personne ne vient. Maintenant, tu vis comme tu as vécu. Cher pasteur, ministre, homme de Dieu, nous voulons maintenant désormais avoir un ministère persuasif. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Et Dieu nous suit partout. Quand nous allons prêcher par-ci, par-là, Dieu nous suit partout. Si regarde notre prédication, et que la prédication ne touche personne, la prédication ne conduit personne à la repentance, et elle ne prépare personne pour le ciel. Dieu nous connaît. Dieu secoue la tête. Tom dit qu'il me sait et Christ secoue la tête. Cet homme dit qu'il prêche Christ et il ne les fait pas passer des ténèbres à la lumière. Il ne les fait pas passer de la puissance de Satan à moi. Est-ce que Dieu ne secoue pas la tête quand il te regarde? Pourquoi ne pas revenir ce matin pour dire maintenant je servirai le Seigneur? Ta prédication, ton enseignement les fera revenir pour chercher le salut. Et comme ça, Dieu te connaîtra. Au lieu que Dieu secoue la tête, il sera d'accord avec toi. Il dit ça, c'est bon. Ah, ça c'est bon. Oh, c'est ce que je veux. Et ceux qui auront conduit la multitude à la justice brilleront pour l'éternité. Et j'espère que dans vos consciences, vous connaissez aussi. Et ceux qui vous écoutent, vous manifestez dans leur conscience. Ils savent si tu essaies de leur plaire. Ils savent si tu cherches à te faire d'amis. Ils savent que si tu cherches à ce que les offrandes se multiplient, ils savent. Mais si tu les convaincs à suivre le Seigneur, tu te feras manifester dans leur conscience. Et ils sauront que cet homme veut que je sois converti. Il veut que je sois sauvé. Il veut que j'aille au ciel. Je peux ne pas apprécier son vocabulaire, sa grammaire, mais j'apprécie une chose, il est sincère, il veut que j'aille au ciel. Sois manifesté dans leur conscience. Le Seigneur nous a parlé. Et nous allons prier. La prière, premièrement, par toi. Deuxièmement, la prière sera dirigée par notre pasteur coordonnateur de la zone. Troisièmement, moi-même, je reviendrai prier pour vous. La prière et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Ta prière. Lui prie avec toi. Et moi, priant à la fin, quelque chose doit arriver.
Quelque chose doit arriver. Maintenant, le mot pousser. Pousser. Si vous écrivez push en anglais, priez jusqu'à ce que quelque chose arrive. Ça, c'est la prière qu'ils ont faite en acte 4. Pousser. Que tout le monde crie, pousser. Priez jusqu'à ce que quelque chose se produise. Quelque chose doit arriver aujourd'hui. Lève-toi maintenant et pousse. Lève-toi maintenant et pousse. Lève-toi maintenant et pousse. Prie jusqu'à ce que quelque chose se produise. C'est un grand jour. Le Seigneur nous a révélé sa pensée. Prie alors. La corde à trois fils ne se rompt pas. Tu as écouté la parole très clairement. Alors prie pour toi-même. Le laboureur doit être le premier à bénéficier des fruits. Les plus grandes grâces de l'esprit. Le Seigneur veut que nous croissions. Que nous croissions. Et que nous ayons une plus grande grâce. Et la plus grande croissance. Pour que nous soyons agréables à Dieu. Pour que Dieu soit content, pour dire, voici mon serviteur, il fait ma volonté. Et il faut la grâce de Dieu. Il faut le don de Dieu. Alors prie maintenant et dis, Seigneur, je me présente à toi. Je sais que tu veux m'utiliser. Agis dans ma vie. Transforme ma vie. Vois ta grâce dans mon âme. Change-moi et utilise-moi comme un instrument de transformation par l'évangile pour conduire beaucoup dans le royaume. Peu importe ce qui est arrivé dans ta vie avant, tu peux commencer à nouveau. Peu importe la manière dont tu menais ta vie, tu peux commencer à nouveau. Ne t'efface pas. Ne dis pas qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Ne désespère pas. Si tu ne menais pas une bonne vie, c'est une question de confession à Dieu. Et dis, Seigneur, pitié de moi. Je n'étais pas agréable avant. Je ne faisais pas ta volonté. Je prêchais aux autres et je ne me prêchais pas à moi-même. Seigneur, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Touche ma vie, sauve-moi, que l'évangile soit disponible pour mon âme. Quand ils ont prié, la grâce de Dieu reposait sur leur vie. C'est ce que nous avons lu dans Actes 23. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et ils ont fait de grandes œuvres pour le Seigneur. Cette grande grâce peut venir sur toi, te sauver, te sanctifier et te transformer. Et t'équiper pour une grande œuvre. Tu vois, voilà la passion de notre Père nous concernant. Tu vois sa passion pour le Cameroun. Que Dieu nous aide. Comme ministre, il ne peut pas être ici
permanemment. C'est toi que Dieu veut utiliser. Toi dans ton église. Toi dans la communion. Toi dans ta région. Toi dans ta localité. Toi dans ta dénomination. Tu peux être un transformateur. Tu peux apporter la transformation. Tu peux apporter le réveil. Quand Dieu agit dans ta vie, quand tu quittes ce lieu, et tu vas, et tu commences à prêcher l'évangile de façon persuasive, et les gens diront, quelque chose est venu sur notre pasteur, quelque chose est venu sur notre dirigeante, quelque chose est venu sur notre enseignant du Sunday, quelque chose est venu sur notre dirigeant, quelqu'un est venu sur notre maître de chorale. Et l'Esprit, la grâce va couler dans ta vie. Il y aura la transformation. Prie maintenant, prie maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Un bon amen. Nous avons une commission. Un but pour l'évangile du Sauveur. Nous ne rassemblons pas seulement une église pour rassembler l'argent et les offrandes et mener une bonne vie en tant que ministre. Nous avons une commission et en tant que nous avons un but. Et c'est quoi? Prêcher l'évangile, sauver des âmes, premièrement. Je veux que tu examines ta vie. Cet évangile doit impacter ta vie. Tu dois être le premier bénéficiaire de l'évangile. Tu dois être transformé. La puissance de l'évangile. Prie maintenant, Seigneur. Si ma vie n'a pas été transformée, comme les croyants de Thessalonique, comme les gens d'Antioche, la grâce de Dieu dans leur vie. Prie. Si tu continues pas à tolérer des petits péchés, selon toi, une petite mondanité, un petit péché de la chair, l'ivrognerie, l'immoralité, quel que soit le péché, tu dis que personne ne peut être libéré du péché. Pourquoi est-ce que tu as-tu l'évangile dans ta main? On lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple. Que ça commence avec toi. Pasteur, sois sauvé. Dirigeant des femmes, sois sauvé. Évangéliste, sois sauvé. Dirigeant de l'unité, sois sauvé. Maître de la chorale, sois sauvé. Quel que soit ce que tu fais, sois sûr que tu es sauvé. Rappelez-vous de Saul de Tarse, qui était un grand dirigeant dans le judaïsme, mais n'était pas sauvé. Il était un homme violent, il était un persécuteur, il était méchant, jusqu'à ce que le Seigneur l'a rencontré. Il dit maintenant, le Seigneur m'a manifesté sa miséricorde, qui était un homme violent. Maintenant, j'ai reçu la grâce de Dieu pour que je sois un modèle pour les autres. Ta vie doit être un modèle. Si ta vie n'est pas un modèle dans la piété, dans la justice, dans la sainteté, dans l'engagement, tu n'as pas d'évangile à prêcher. Que l'évangile te sauve d'abord. Crois l'évangile. Crois l'évangile. Répands-toi de tout péché. Un peu ou petit. Dieu miséricordieux. Dieu miséricordieux. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Ce n'est pas suffisant d'écouter tout ça. Qui te transforme, confesse tes péchés,
Est-ce que quel que soit le péché, quelle que soit la durée, invoque le Seigneur. Dis, aie pitié de moi. Il va te pardonner. Lève les regards vers le Seigneur, le Sauveur. Il est venu sauver. Il va te sauver. La Bible dit qu'il est capable de sauver. Les péchés qui règnent dans ta famille, dans ta génération, il va briser ce joug. Gloire à Dieu, je suis libre. Tu pourras prêcher l'évangile. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur t'a exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Nous avons une commission, l'évangile à prêcher. Nous ne nous rassemblons pas seulement pour chanter, pour danser, faire toute cette monnaie. Nous avons des multitudes à atteindre. Et l'évangile, que tu prêches l'évangile, les âmes seront sauvées. Si tu crois, dis Amen. Mais il y en a qui racontent des histoires. Quand il était là-bas, quand il a visité là-bas, je suis allé aux États-Unis, en Amérique. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous prêchons. Prêche l'évangile. Je suis ce que tu as vu comme notre Père le prêche à la croisade. L'évangile pur, l'évangile simple, l'évangile puissant, l'évangile qui change de vie. Parle maintenant au Seigneur. Je vais prêcher l'évangile. Je vais prêcher l'évangile. Je vais prêcher l'évangile. Je ne cache pas ça. Et comme ça, ils seront sauvés. Va leur montrer Jésus. Révèle le Sauveur. Prêche le Sauveur. Prêche de qui c'est Christ que nous prêchons. Prêche le Christ crucifié. Il a la puissance pour sauver. Il va sauver les pécheurs de ta communauté. Il va te toucher. Il va te toucher lors des programmes spéciaux. Par l'évangile. Ceux qui sont autour de toi. Ceux qui sont dans l'église. Ne t'intéresse pas aux cérémonies. Va prêcher la parole. Prêche la parole, en toute occasion favorable ou non, prêche-la, tu l'as entendu, quand tu es triste, prêche la parole, quand tu es content, prêche la parole, quand tu es persécuté, prêche la parole, quand tu es triste, prêche la parole, l'évangile glorieux, la plénitude de l'évangile glorieux. Paul dit, quand je viendrai dans la plénitude des bénédictions de l'évangile de Christ. Si tu prêchais ça avant, il y a une marche en avant. Il y a une grande marche en avant. Dieu t'a donné les portes ouvertes. Il y a de grandes portes ouvertes. Comme tu vas maintenant, cherche les grandes portes ouvertes. Paul dit, une grande porte ouverte, mais ouverte. Même s'il y a plusieurs adversaires, ne se soucie pas des adversaires. Le Seigneur dit, voici, je suis avec toi. Si tu prêches l'évangile, si tu fais ce qu'il veut que tu fasses, si tu prêches pour sauver les pécheurs, le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur va confirmer la parole. Car les signes qui t'accompagnent, les méchants seront réduits au silence.
Les agents de Satan seront réduits au silence. Et les pécheurs seront réduits, seront sauvés. Tu seras surpris. De grandes choses vont se passer dans ton ministère. De grandes conversions auront lieu dans ton ministère. Demande ça au Dieu, à Dieu. Je veux de grandes conversions. J'irai partout. L'évangélisation. La sanctification. Mobilise tous tes membres. À la vie profonde. Hors de la vie profonde. Partout. Que les gens sachent qu'il y a un but. Qu'il y a un chemin. Qu'il y a une mission. Prêche l'évangile. Et le Seigneur va te soutenir. Au nom de Jésus, nous prions. La consécration des participants à la grâce de la sanctification. Écoutez, c'est merveilleux. Dieu veut que nous soyons comme lui. Il dit comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Soyez saints comme je suis saint. Est-ce que vous n'êtes pas content comme Dieu veut que vous soyez comme lui? Si vous êtes content, dites Amen. C'est ce qu'il a fait au commencement. Faisons l'homme à notre image. À son image. Dieu le fera pour toi au nom de Jésus. Dieu a commandé que nous devions être sanctifiés. Soyez saints car je suis saint. Je vais obéir à ce commandement. Je me consacre ma vie. Je me suis mon esprit, mon âme, mon corps. Regarde-toi. Comme vase d'honneur, dis Seigneur, sanctifie-moi. Joue ton rôle. Consacre-toi. Abandonne-toi. Ton esprit, ton âme, ton corps, que ce soit totalement abandonné à Dieu. Que Dieu te possède. Que Dieu te possède. Affranchi de toute espèce de mal. Et le Dieu de paix te sanctifie tout entier. Frère, Dieu peut le faire. Dieu peut te sanctifier. Il va circoncire ton cœur. Et le cœur de ta postérité, tu l'aimeras de tout ton cœur, toute ton âme. Soyez saints car je suis saint. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dis Seigneur, me voici. Sans la sanctification, pas de ciel. Sans la sanctification, pas de ciel. Sans la sanctification, pas de ciel. Imaginez toutes les prédications que tu fais. Imaginez tout l'engagement que tu donnes. Imagine tous les sacrifices que tu fais. Imagine tous les lieux que tu vas passer par là. Mais si tu ne vas pas au ciel, consacre-toi, abandonne-toi. Le Seigneur le confirme dans ta vie. Le Seigneur va te purifier. Il te rendra saint. Et à partir d'aujourd'hui, ta vie sera glorieuse. Tu auras la nature de Dieu. Tu auras la vie de Dieu. Tu auras la pureté de Dieu. Tu auras la justice de Dieu. Tu vas le servir sans crainte. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Et dans la justice. Devant lui. Tous les jours de ta vie. Une personne sainte et une personne heureuse. Il le fera pour toi. Il le fera pour chacun de nous. Comme tu pries crois. Comme tu pries crois. Isaïe a prié. Et Dieu l'a touché.
Il a envoyé un charbon ardent à toucher son cœur, de tes péchés sont ôtés. Le péché intérieur, le péché en l'intérieur, Dieu va l'enlever. Au nom de Jésus, nous prions. Si vous croyez que quelque chose se passe en toi, amen. La compréhension, la possession du don, le don de Dieu est gratuit pour toi. Comme tu es sauvé, comme tu es sanctifié, le don viendra sur toi. Nous avons prié dans la chambre haute. La Bible dit, tout à coup, il y a eu un grand vent et le feu est descendu sur eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Priez, dit Seigneur, fais-le pour moi, fais-le encore. Si tu l'as eu avant, tu peux encore recevoir, tu peux être renouvelé, tu peux être rafraîchi. Tu peux être revêtu à nouveau. Tu peux être baptisé à nouveau. Tu peux être revêtu de puissance encore. Prie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du don de l'Esprit. Tu as besoin du don de l'Esprit. La personnalité de l'Esprit. Tu en as besoin. Et le don viendra. Le don viendra. Le don viendra. Les neuf dons peuvent venir sur toi. Prie. Prie. Quelque chose se passe. Ah, viens sur toi. Comme notre Père dans le Seigneur vient pour tout sceller la puissance. L'onction. Va rester sur toi. Ton ministère va changer. Ton ministère ne sera plus le même. Tu prêches de façon persuasive. Tu prêches comme un mourant à une génération mourante. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Je le sens maintenant. Il vient. Ça, le Seigneur, le Saint-Esprit vient. Il descend sur toi. Amen. Le ciel a dit amen à ta prière. Tout ce que tu as demandé, le Seigneur te l'a donné. Tu ne seras plus comme avant. Une nouvelle onction sur ta vie. Un nouveau baptême dans ta vie. Un nouveau courage, une nouvelle assurance. Une nouvelle délivrance et une nouvelle domination. Une nouvelle élévation. Où est la personne dont je parle là-bas? Élévation. Élève cette main. Aussi haut comme tu veux recevoir. Une nouvelle communion avec Dieu. Un nouveau feu, une nouvelle ferveur. Un nouveau niveau de grâce. Et le don de l'Esprit dans ta vie au nom de Jésus. La sainteté, où es-tu? Sainteté. Ton nom est maintenant sainteté. Ta nature est sainteté.
Ta vie amènera les gens à s'intéresser à la sainteté. Tu n'es plus le même. J'ai dit toi, moi, c'est moi. Je ne serai plus le même. Je crois. Ne répétez pas. Je vais vous dire ce à quoi je crois. Je crois qu'ici au Cameroun, il y a un Kumuyi là-bas. Un autre William là-bas. Un autre défenseur de la foi là-bas. Ceux qui écrivent des histoires dans le monde, quelque chose sera écrit sur toi. Le ciel t'a élevé. Partout où tu vas, Satan va fléchir devant toi. N'aie pas peur maintenant. Va guérir les malades. N'aie pas peur. Aucun démon ne peut tenir devant toi. Va chasser les démons. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Est-ce que tu as écouté les témoignages ici à la croisade que quelqu'un voulait me voir pour que je puisse le toucher ou la toucher? Et il n'y avait pas eu de chance. Regardez là où les traces des pneus du pasteur, du véhicule du pasteur gare. Et il est allé rester sur les traces du véhicule. Il dit, je l'ai eu. Et il a eu. Ton ombre, ta touche, tes habits, le mouchoir que tu touches, une nouvelle onction, une nouvelle baptême est venue sur toi. Et toi-même. Tu vas porter la guérison à tout le monde. Et cette guérison sera partout. Toi, tu touches les autres et ils sont guéris. Ta femme, juste en la touchant, tu ne pries même pas encore. Tu dis, ma femme, comment tu vas? Et tu la touches. Toute maladie va quitter son corps. Un nouveau jour a commencé au Cameroun. Lève ta main pour cette nouvelle onction. Père, au nom de Jésus. Un nouveau jour a commencé. Une nouvelle libération de ta puissance. Une nouvelle libération de ton onction. Seigneur, je prie. La puissance d'en haut. Le feu d'en haut. L'autorité du ciel, l'onction du ciel, déverse sur tout ton peuple au nom de Jésus. Que tout ministre ici, ministre Ouin, que l'onction t'accompagne partout. Que la puissance t'accompagne partout. Seigneur, je prie. Les exploits, de grands exploits, de bons exploits, des exploits uniques. Par chaque frère, chaque sœur, au nom de Jésus. Ton peuple ira sans être fatigué. Ils vont prêcher, tu vas confirmer leur prédication.
Ils vont prier et le ciel dira oui à leur prédication. Ceux qui n'ont jamais prié pour les malades, ceux qui n'ont jamais fait de miracles, ils le feront, le ciel va confirmer. Rien ne va vous empêcher. Rien ne va vous chasser. Cet esprit imparable entre en vous maintenant. Dit, je suis imparable. Dit, je suis invincible. Dit, je suis imbattable. Viens, monte et tu ne descendras plus. Va plus haut et tu ne descendras plus. Monte, monte, au-dessus de tes montagnes, monte, au-dessus des océans, monte, au-dessus des mers orageuses, monte, au-dessus des traditions, monte, au-dessus de tes faiblesses du passé, va prêcher, va guérir, va affranchir les captifs. Va dans la joie du Seigneur. Tout ce qui apporte la tristesse dans ton cœur, Dieu a tout enlevé. Ta famille va expérimenter l'effusion de la puissance de Dieu. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra te conquérir. Rien ne pourra te battre. Comme moi, tu l'es, comme Christ, nous le serons tous, la confirmation dans ta vie, mon frère, confirmation dans ta vie, ma fille, confirmation dans ta vie, tu iras au lieu que tu n'as jamais visité, tu feras des choses que tu n'as jamais faites. Tu vas prophétiser tel que tu ne l'as jamais fait avant. Que les dons de l'Esprit entrent en toi maintenant. Réussis. Réussis maintenant. Le ciel te parle. Réussis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.